avec un garçon qui tape l'impossible. C'est un peu plus de pays. La place de Neu, il a fait, il a gagné le 5 km. 21 minutes, réponse en 20 minutes. Une demi-heure. Attention. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, pas de commande. Donc, on change de Super France. Et tout le monde, voilà. On a du très très bon monde sur cette course. Avec. Je vous laisse avec Emmanuel David. Manu David, je ne sais pas si le chronomètre. Sa grande foulée, le champagnolet à la deuxième place. Stéphane Choulet, deuxième. En 40 minutes et 21 secondes, et Sébastien en troisième position, qu'on va applaudir de très très fort. Seb Stadler qui termine en roulette. Bravo Sébastien. Sébastien Stadler en troisième position. Un podium de rêve aujourd'hui. Attention pour l'arrivée de Benoît. Quatrième aujourd'hui. Benoît Ménétrier, quatrième. Un garçon qui a fait une saison exemplaire. Il va le faire, non? Il ne l'a pas fait. Si, ça y est. Alors, il arrive maintenant avec son dossard, j'ai pas vu. On n'a pas pu le dire. Je pense 161, mais c'est pas difficile. Septième place. Après avoir fait le 5, il a fait le 12. Anthony Capelli. Et comme le disait tout, à la 8e place, Noël Modou, suivi du dossard 159, qui est Yvan Georgel. Puis le 100, j'ai pas vu. Dossard numéro 115. Florian. Florian Benoît. Benet, pardon. Bonnet. Florian 9. Et non, le 138. Georges Jacquemart. Dossard 138. Bravo, Eric. Du Lons Athletic Club. Eric Jacquemart, super aujourd'hui. De même que Christian Domez. Christian Domez, fidèle parmi les fidèles, dans les bonnes places. Un petit peu plus loin derrière, on salue également l'arrivée de Hubert. On voit Olivier Descouilles de Triathlons. Gérard Mailly va remettre à Stéphane sa coupe de deuxième senior. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est une médaille. Merci Gérard. Avec le ruban, bien sûr, le troisième, Sébastien Stalter. Sébastien, je dis bien qu'un messieurs, c'est le classement senior.
On se reverra tout à l'heure pour le scratch. Bravo Sébastien. Et toujours Gérard pour récompenser les trois premiers rôles. Pendant que tu étais en course, Marie-Christine, que tu es passé de 3 paquets de clopes par jour à la victoire ici à Pont-de-Pointe. Il y en a qui m'ont dit t'es fou et jamais la fumée. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Hein Marie, est-ce que je me suis trompé ou pas? Combien? 2 paquets, je disais un peu peut-être de trop. 2 paquets par jour. Gérard, 2 paquets par jour, elle gagne un Pont-de-Pointe aujourd'hui. Alors on peut lui faire la bise très fort, Gérard, c'est bon? Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Marie-Christine Pro, Chante Daniel. C'est une vraie recul, celle-là. Wouh! Tapez dans vos mains! Tapez dans vos mains! Marie-Christine Pro! La deuxième, Marion Hugonnet. Marion Hugonnet, deuxième. Ils sont en train de discuter avec Robert. Chante Daniel. Marion, deuxième. Troisième, Céline Cazot. Céline Cazot. Chante Daniel. Ça, c'est des bonnes.